Magnum Cobra, intervention rendue sur sur securicone.fr. Alors donc là, ça fait environ presque 3 ans que je les ai. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà quand on les fait, hein, la première fois qu'on les met, quand on les fait, c'est du cuir, du vrai. On déguste, hein. On déguste, donc faut pas lâcher l'affaire, et puis surtout faut pas le plier dans le mauvais sens, parce que pour le ravoir, hein, voilà. Sinon, donc bah, chaussures cuir, semelles anti-dérapante, anti-hydrocarbure, enfin vous verrez la fiche technique, il y a tout dessus. Coquet. Coquet, mais pas en acier. Coquet en polyester de je sais plus trop quoi. Donc du coup la chaussure est ultra légère. Elle est tellement légère malgré cette protection que je l'ai montré à un cordonnier pas plus tard que ce matin, et il a fallu que je lui dise qu'elles sont coquées pour qu'il s'en rende compte. Donc voilà, c'est le dire. Pour ceux qui ont l'habitude de porter des pompes coquées, c'est souvent qu'on snique le bout du pied sur le rebord de la coquille, hein, quand on fait un freinage d'urgence. Et ben là, terminage. Il y a un petit liseré en plastoc qui fait bien tout le tour, bien douillé, on ne se fait plus mal au doigt de pied sur la coquille. Ça franchement, bien wesh. Donc, bah, du véritable cuir, doublé en moumoute. Je sais pas si ça donne grand chose. Hein, on est bien dedans. Semi-montante. Une bonne attache. Bon, gros regret quand même. Hein, les semelles sont collées. Hein, donc, un jour viendra où ça se décollera. C'est inévitable. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Donc ça va. Donc ça fait, je l'ai dit, 3 ans que je les ai. Le seul vrai souci, hormis les lacets qu'on craquait assez rapidement, hein, malgré que c'était du mastoc, c'était les mêmes que ce genre-là, mais en noir, et ça a craqué quand même, enfin bref. Donc moi j'ai eu un problème avec celui-là, c'est pour ça que je suis allé chez le cordonnier. C'est tous ces coussinets anti tout ce que tu veux, c'était impeccable, hein, j'avais pas de problème. J'ai marché sur des sols gelés avec, ça avait l'air d'être plutôt favoriser l'adhérence. C'est que au bout d'un moment, l'usure c'est catastrophique, hein, le résultat. Donc au bout de 3 ans quand même, hein, c'est pas du jour au lendemain, et puis il faut savoir que je les mets absolument H24, hein, que je marche énormément, je suis 8 heures dehors en général, avec ça sur les pieds, et j'arrête pas. Donc au bout de 3 ans dans cet état-là, c'est assez honnête. Donc on reverra vendredi quand elles reviendront de chez le cordonnier ce qu'ils vont me faire, et je pense que... Même avec cette réparation, ça reste de la super godasse. Non, on est bien pris dedans. Coquille ultra légère, très résistante. Œillet en plastique. Hein, qui disait sur l'affiche anti-détecteur de métal, forcément. Bon, j'ai pris l'avion avec, je confirme. Il n'y a pas de problème. Si ce n'est que cette histoire de semelle au bout de 3 ans avec un usage ultra intensif. Bah pour le prix je les ai payés, avec les réductions, plus les frais de port offerts parce que un certain montant, etc. Niveau confort, hein, légèreté, je vous ai dit, même le cordonnier n'a pas capté qu'il y avait une coquille là-dedans. Je crois pas qu'on puisse trouver mieux pour quelqu'un qui a besoin de pompe solide, sécurisée, légère. Adapté à la marche ultra intensive,
La marche et même la course, on peut courir avec. C'est ça qui est bien, contrairement à d'autres chaussures de sécurité avec une coquille en acier, où on finit toujours par se démettre la cheville. Avec ça, c'est super nickel. Donc du coup, les lacets qui ont craqué la première année, bon, moi j'ai remis ça, c'est plus funky. Et puis bah, voilà ma foi, hein. Ils font depuis le 38, ça c'est excellent. Pour les dames ou pour les tout petits messieurs qui ont des tout petits pieds, ils font du 38, à partir du 38, jusqu'au ce que tu veux. Donc bah voilà, le ressemelage. Donc bah, on n'est plus du tout dans les caractéristiques d'origine, hein, mais... Pour 30 euros, on retrouve ses grolles et franchement, ça le fait. Donc en plus, à partir d'un certain montant de commande, on a livraison gratuite, des ristournes. Voilà, impeccable. Tu vois la marque là-dessus? Tu veux que j'imprime sur ta gueule?